Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Et comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Enoa. Et oui, on est mercredi, elle est à l'école aujourd'hui, Luan, oui. Mais voilà, ça lui tenait à cœur. Je suis allée faire les achats hier matin chez Action et elle voulait absolument. Elle m'a dit, maman, s'il te plaît, je peux faire le hall avec toi demain comme je n'ai pas l'école. Donc, il a fallu que j'attende. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas la vidéo ce mercredi-là et que du coup, je vous ai mis un vlog et que celle-ci, vous l'aurez dimanche. Mais ça, vous le saurez que quand vous verrez cette vidéo. Et oui, oui. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'il me fallait des choses importantes. Voilà, il y a les bureaux qui arrivent aujourd'hui. Alléluia, je les ai commandés chez Ikea. Et la livraison s'effectue à domicile normalement ce matin, sauf qu'il est déjà 11h et que je n'ai toujours vu aucun livreur et qu'il leur reste une heure dans leur créneau horaire. On va patienter, on va se dire que ça va aller, mais on n'est pas là pour blablater de ça, on est là pour Action. Allez, on commence tout de suite. Alors, j'ai pris ça, c'est une cloche pour le micro-ondes, donc elle fait 24,5 et elle se lave correctement. Franchement, elle fonctionne parfaitement. Donc voilà, j'ai utilisé cette cloche 3 fois déjà pour savoir si effectivement le plastique n'aurait pas fondu. Hein, et puis bah, vous dire que oui, effectivement, c'est un bon achat parce que finalement, si je ne la teste pas avant, ça ne sert à rien. Donc, tester, approuver, valider. Mais bon, je pense que tout le monde a déjà acheté une cloche à Action, sauf moi, bien sûr. Hein? Oui, je continue à mettre dans le micro-ondes, tout explosé. Je devais nettoyer, tout explosé. Hein? Vous connaissez? Moi, je crois que c'était un truc à manque. Non, c'est comme le sac poubelle qui déborde de la poubelle. Hein? Qui connaît pas ça? Ensuite, alors, c'est un produit que j'ai acheté, que j'aimais bien, mais que je ne retrouvais plus. Ils étaient sûrement en rupture ou quoi que ce soit. Et là, j'étais juste trop contente de le retrouver. J'ai hésité à en prendre plusieurs, mais bon, je me suis dit, si toutes les personnes sont comme moi et qu'ils en prennent plusieurs, il ne va pas y en avoir pour tout le monde. Donc, du coup, j'en ai pris qu'un. J'étais raisonnable. Mais voilà, ça m'a titillé quand même. Hein. J'avais envie d'en prendre plusieurs, mais bon. Donc, c'est ce produit-là. Donc, c'est un anti-moisissure. Donc, j'adore l'utiliser dans le bas de ma douche parce qu'au niveau du savon, je trouve que malgré que je la nettoie une fois par semaine, le savon, en fait, laisse découler grasse et je trouve que ce produit est juste topissime. En plus, dans le fond de ma douche, c'est des petites mosaïques bleues et ben voilà, ça reste vétuste. Il faut qu'on refasse tout ça. Et du coup, voilà, ça va très bien. Alors, il y en a qui vont me dire, attention, ça va ronger le joint. Ben, je m'en fiche parce que comme ça, je pourrais changer ma douche. Non, mais sérieusement, voilà, il est top. Mais par contre, masque, gants, la totale. Ensuite, on va rester dans les produits. Ils étaient en train de remettre tout le stock au niveau des produits. Et j'ai pris celui-ci, donc le Ajax pour salle de bain. Vous avez Ajax vert pour la cuisine. Moi, je ne l'ai pas pris parce que j'utilise du vinaigre ménager et du vinaigre pur pour la cuisine, pour désinfecter tout ça, mais ou du Javel hein, de temps en temps, mais c'est très rare. Donc du coup, voilà, c'est utile pour tout ce qui est toilettes, salle de bain. Moi, je vais plutôt l'utiliser en fait pour les toilettes parce que pour la salle de bain, j'ai Monsieur Antical. Donc voilà. Après, est-ce que j'ai d'autres produits ménagers? Je ne crois pas. On va passer à l'espace beauté. Donc, là, j'ai pris tout simplement cette brosse-là. Comme ça. Tiens, tu veux me l'ouvrir, Léna? Attends, je te l'ouvre. Oh, elle est jolie. Mais nous, la deuxième. Voilà. J'en ai une deuxième. Je l'ai pris en mauve ou en violette. Alors, celle-ci, c'est pour Luan, pour ceux qui la connaissent très, très bien. C'est sa couleur préférée. Ça, il n'y avait pas bleu. Ça, c'est pour moi? Il n'y avait pas bleu, donc du coup, voilà, j'ai pas pu prendre bleu pour Enoa. Mais voilà ce que ça donne au niveau de cette brosse. Donc ça, par contre, pas testé. J'en ferai peut-être un retour au moment du montage de la vidéo parce qu'elles l'auront testé. Je vous dirai si ça me flop ou quoi que. Donne à vérifier sur tes cheveux. Et est-ce que ça fait mal? Parce que tu as l'air d'avoir un petit nœud là. Non. Il me semble bien. Ça va. Elle est bien et elle n'arrache pas les cheveux. J'ai 0 cheveux.
Alors que quand j'utilise une brosse classique, les cheveux sont dans la brosse. Donc voilà, je voulais tester celle-ci. Elle est classe. Oh, moi je garde. Tu valides ? Oui. Ah oui. Donc comme d'habitude, j'ai repris une teinture pour la prochaine fois. Sayos intense, zéro ammoniac, qui est entre 5 et 10, 10 semaines. Et voilà, tout classique, mais ça fera l'affaire. On va rester dans la beauté. Tu vas te calmer. Tiens. Allez, on reste dans la beauté. Donc là, j'ai pris des chouchous comme ça. Donc celui-ci est très fin. Celui-ci. Donc voilà, ceux-là. Ensuite, donc les chouchous, ils étaient à 0,99 €. Donc voilà, pour deux pièces. Après, on a ceux-là. Après, ceux-là également. Ça, c'est des chouchous comme ça. C'est par lot de 4. Donc j'en ai pris deux normalement. Il y en a un pour moi, un pour Loan. Non, c'est pour nous trois. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris également CDO. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. C'est pas ce rêve bleu. Peut-être Pola Latina. Non, ou Piute. Piute, Piute. Voilà, Piute, si tu passes par là, au cas où, voilà, je regarde tes vidéos. Et voilà, tu m'as dit que celui-là était très pratique. Alors, Luan n'a pas le droit pour le sport au spray déo. Et comme il fait très chaud dans notre région encore et encore, on est monté à 37 degrés hier. Donc, c'est énorme quand même. Du coup, voilà, je lui ai pris ces déos-là à billes. Piotr avait dit que du bien sur ces déos-là. Et elle avait dit également que si elle avait bien un produit à conseiller et à prendre à 100% chez Action, c'était cela. Donc, du coup, voilà, il y avait deux. J'ai pris les deux sortes et Loan en est satisfaite. Oh, c'est bon. Donc ensuite, j'ai pris des petites pinces comme ça, des petites pinces croco. Donc ça, c'est pour attacher mes cheveux parce que quand je mets le nœud derrière, j'ai les petits cheveux qui tombent. Donc du coup, voilà, ça permet de les accrocher. Ensuite, je pense que ça doit être sur l'une des chaînes, mais encore qui ? Je me suis laissé influencer ces parfums là. Alors c'est pas des parfums, ça doit être une autre toilette. Voilà, comme ça, il y avait différents modèles. J'ai senti vite fait parce que j'avais vraiment pas le temps d'y aller. Tiens, sans celui-là, j'avais vraiment pas le temps d'y aller, de rester énormément de temps parce que voilà, j'étais prise par le temps. Les deux que j'ai senti sont bons, à mon avis les autres aussi, mais voilà. Du coup, j'ai pris les deux là. Tiens, je te laisse remettre ça. Ah, oh, mais celui-là, il sent pas bon. Lequel ? Celui-là. C'est dommage, je pensais que c'était pour toi. Pourquoi ? Bah parce que le violet, c'est la couleur de ta sœur. Ah bah alors, je le prends quand même. Ah. Très bien. Ensuite, j'ai pris ce petit rouge à lèvres. Je voulais le tester comme ça. Vous aviez deux coloris. Un petit peu plus rose clair. Donc voilà, c'est Miss Sporty. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. On verra bien, on va tester. C'est quoi ? C'est un rouge à lèvres. Oh, c'est pour moi ? Non, c'est pour moi. Ensuite, quelques petites nouveautés. Alors, dernièrement, je vous avais montré qu'il y avait des nouveautés dans les masques de chez Action. Et oui, ils ont déjà fait Noël. Les masques de Noël, il y a le masque du Père Noël, il y a le masque du... Comment on appelle ça ? Bonhomme de neige. Et je vous ai fait une story hier quand j'étais au magasin pour vous montrer que Halloween est déjà là, en plus des décorations de Noël. Donc du coup, j'allais pas vous montrer cela et j'ai pris cela. Donc cela, je pense pas les avoir déjà pris. A priori, on a une tête d'âne, donc ça on verra pour toi. C'est pour toi ma chérie. Ici, le petit renard. Donc les masques du visage, franchement, ils ne sont pas de très bonne composition. Mais voilà, une fois de temps en temps, une fois par mois, ça leur fait plaisir. Et voilà. Et il y a celui-ci. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. À chaque fois, c'est des nouveaux. C'est des masques en tissu qu'on met sur le visage et qu'on laisse poser. Un truc pour la maison. Quand j'étais dans les produits ménagers, j'ai vu ça. C'est un lot de deux éponges. A priori, la bleue, c'est une éponge. La verte aussi. Et ça permet de
correctement nettoyer en fait tout ce qui est vaisselle, donc les casseroles, les choses comme ça. Moi, je sais que ça m'énerve quand j'utilise la raclette, les poêlons, et je tue mon éponge. Donc clairement, je voulais voir si ces éponges-là fonctionnaient. Et oui, c'est pas parce qu'on est en été et qu'il fait 40 degrés que je ne crois pas faire de raclette, hein. Donc, soit dit entre nous, on a la terrasse, on l'a fait à l'extérieur et ça va très bien. On est des ch'timis, donc on mange raclette, tartiflette. J'en ai fait encore hier. Et oui, pas 40 degrés, on a mangé tartiflette. Ah oui. Donc, voilà, il faisait très chaud à part comme dans la maison après. Hein. Donc, voilà, au niveau des éponges, donc on va tester également, a priori, c'est en silicone. Vous en avez deux, vous en avez une ronde et une bizarroïde. Et on va passer sur le dernier article de ce haul. Alors, je sais qu'il n'est pas énorme, qu'il n'est pas fichou, mais franchement, j'y suis allée, j'avais pas beaucoup de temps et j'y allais spécialement pour cet article-là. Donc, voilà, comme je vous ai dit, les bureaux arrivent ce matin normalement. Et donc, il me fallait ça et j'étais contente parce qu'ils étaient dans les promos de la semaine. Donc, normalement, ils sont à 1,59€ pièce. Je les ai payés 1,29€ pièce. Ils y étaient en noir ou en transparent. J'aurais voulu les avoir en blanc, mais je ne pense pas que ça existe. Le sac est tombé. Je ne pense pas que ça existe. Il ne va pas vouloir se mettre droit. Je ne pense pas que ça existe en blanc. En tout cas, je ne sais pas si je les ai déjà vus. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà vus en blanc. Voilà, donc c'est ça, tout simplement. Des rangements en fait comme ça qui se superposent l'un sur l'autre pour mettre sur le bureau. Donc comme ça, ça lui permet de mettre ses feuilles A4, tout ça, quand elle a des devoirs ou quoi que ce soit, je ne sais pas. On verra bien comment elle s'organise au niveau de son bureau, mais voilà. J'en ai acheté 3, j'ai pas acheté plus, je pense que s'il lui en faut plus, j'irai en racheter plus. Et Noël, on avait des comme ça que j'avais acheté chez Action, métallique. Je trouve pas ça top parce que le fait de mettre les pochettes comme ça, ben, elles tanguent, elles se déforment, tout ça. Donc du coup, voilà, je me suis pas fait avoir une deuxième fois, voilà. Et du coup, je vais pouvoir revendre le bureau des Noah, puisque pareil, elle, il sera tout neuf également chez les deux bureaux identiques qui arrivent ce matin. Donc voilà, au niveau de cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la compagnie des Noah ce matin dans la vidéo. C'est pas souvent que je la prends avec moi, mais voilà, de temps en temps, quand elle me demande, je le fais et j'espère que ça vous convient. Donc voilà, au niveau de cette vidéo, elle est maintenant terminée. Donc j'espère que chez vous, vous n'avez pas trop de la pluie. J'ai cru voir que dans la France, il y en a pas mal qui ont de la pluie en story Instagram. D'ailleurs, je vous mets là, juste ici, mon nom, compte Instagram. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.